UpCrowder.com. Le casque beat. Catastrophe. La polémique là autour, c'est incroyable. Donc, moi j'en ai un, tu vois, j'en ai acheté un. J'ai complètement cinglé le mec. Pourquoi? Alors, tout le monde dit, enfin, on entend. J'ai fait la vidéo la dernière fois avec le petit canard noir, donc là j'en profite pour faire mon petit canard noir, tu vois. Pourquoi les gens critiquent ce casque? Parce qu'il est dégueulasse. Parce que, en fait, c'est un mauvais casque, il coûte très cher, machin, blablabla, blablabla, blablabla. Il est cher? Oui, il est cher. Il est facile, 100 balles de trop, je suis d'accord. Est-ce qu'il donne mal? Oui et non. Ce casque, je le trouve très bien pour une chose. Donc, pour mixer en club, c'est la misère, je t'assure. Ne l'utilise pas pour mixer en club, tu vas te compliquer la vie, j'ai déjà essayé. Ce machin-là, pour mixer, il est mou. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce chest-là, au niveau quand tu as le kick, tu sens ce côté qui te bam, bam, bam. Ça, ils ont oublié de le mettre dedans. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais il n'y a pas ça. Par contre, un truc, j'utilise ce casque uniquement pour une seule chose. Enfin, j'utilisais pour une autre chose quand je faisais de la prod, mais pour une chose en particulier, pour acheter ma musique. C'est ultra bien pour ça, parce que quand tu mets ce casque sur les oreilles et que tu écoutes tes tracks, si elles sonnent dans ce casque, tu sais qu'elles vont sonner en club. Parce que pour qu'une track, elle sonne dans ce casque, c'est vraiment pas chose gagnée. C'est vraiment la plupart des tracks, elles vont pas bien sonner là-dedans. Donc, quand tu as une track qui sonne bien avec ça, tu sais qu'elle est vraiment tellement bien mixée que quand tu vas la jouer en club, ça va être juste la tuerie. Donc, je l'utilise juste pour ça, en fait, ce casque. Et ça me rend vraiment service. Voilà. Maintenant, j'utilisais aussi en production pour mixer les basses, parce qu'entre le kick et la basse, pour ceux qui font de la production, le plus dur, c'est d'équaliser les deux pour pas que les fréquences se mangent. Alors, avec ça, t'entendais tout de suite quand les fréquences, elles se mangeaient. T'entends tout de suite. Et je l'utilise aussi juste pour ça. Mais bon, c'est vrai que je sais plus combien je l'avais payé, 300-400 balles. C'est assez cher. Alors bon, si t'as les moyens, tu l'achètes. Sinon, bah, y a plein d'autres alternatives qui sont bien mieux que ça. Hein. Oui, c'est vrai, mais... Voilà, j'ai pas suivi l'évolution des derniers casques, mais en tout cas, ce machin-là, voilà. Après, si t'as pas peur de passer pour un guignol quand tu le mets en soirée, puis que t'aimes bien mixer avec ça, ben, mixe avec le Dr. Dre, le Beats. C'est, voilà, c'est un casque cher et blanc. Allez, ciao!